الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين بشيرا ونذيرا. فانطلاقا من ذلك يقول الله سبحانه وتعالى في محكم البيان بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. أياما معدودات، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، فمن تطوع خيرا فهو خير له، وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. الحمد لله دو ريميرسي الله سبحانه وتعالى كي انصر ما بقول لك نصر لا اي كي سا بوكو اي فابوريز انت لا كونت مي ريميرسي مون بو ايكالما ا تو سي كي نو سيف ان شاء الله كي الله سبحانه وتعالى مي سا دانا بالانس اي بو بونتسيون الله سبحانه وتعالى اكزوسا نو بريي ان شاء الله. Aujourd'hui, le thème qu'on a choisi pour discuter, Inch'Allah, c'est le mois du Ramadan. Et qu'est-ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala veut nous faire comprendre dans ce mois du Ramadan? Allah subhanahu wa ta'ala, quand on lit le Coran, on arrive sur le chapitre où Allah subhanahu wa ta'ala parle précisément sur le mois du Ramadan. Qu'est-ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala dit? Allah lui il dit dans le Saint-Coran, بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Qu'est-ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala dit? Il dit, ô vous qui avez cru, ô vous qui portez la foi, c'est ça, ô vous qui portez la foi, on vous a prescrit à siyam, comme on l'a prescrit assez d'avant vous, ainsi atteindriez-vous la piété. Et donc, on constate ici que l'objectif du mois de Ramadan, c'est la crainte de Dieu, la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala, il veut nous maintenir dans ces fréquences. C'est pourquoi le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam dit, paix et salut soit sur lui, dit, il est, quand il est mois du Ramadan, Allah subhanahu wa ta'ala, il ouvre les portes du paradis et il ferme celles de l'enfer. Et les diables ou les shaitan sont mis en scène. Et pourquoi? Allah subhanahu wa ta'ala, il te dit que dans le mois du Ramadan, même si on t'insulte, même si on te fait des calomnies, on essaie de te mettre en colère. Le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, qu'est-ce qu'il dit en retour? Il dit à cette personne-là que je suis en état de jeûne. Inni sa'im. Et donc ce n'est pas seulement dans le mois du Ramadan. Le mois du Ramadan, c'est comme des mises à jour. Une fois que tu es à jour, tu peux continuer sur ces fréquences-là. Tu peux t'aligner à ces fréquences-là jusqu'au mois qui va suivre. C'est-à-dire le mois qui va suivre le mois du Ramadan et jusqu'au Ramadan qui va revenir encore. Parce que c'est une répétition. Allah subhanahu wa ta'ala, il ne fait que te rappeler. Il veut que tu restes dans ces fréquences-là. Allah subhanahu wa ta'ala nous donne la bonne compréhension. Et donc, pendant le mois du Ramadan, on a constaté que les mosquées sont remplies. Les gens ne font que parler d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc, c'est ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala te demande. C'est pourquoi il te dit « Ayyaman ma'adoulat » Ces jours sont les mois du Ramadan au cours duquel le Coran a été descendu comme guide pour les gens. Il a dit « comme guide pour les gens ». Ah donc, il y a les autres qui ne sont pas des musulmans, mais ils sont concernés. Allah subhanahu wa ta'ala dit guide pour les gens. Et donc, ceux qui ne sont pas des musulmans, ils seront à côté, ils vous observent, ils vont voir qu'il y a l'empathie parmi les musulmans. Il y a cette compréhension, cette alliance qui, comment on appelle, l'amour qui est entre les musulmans, qui relie les musulmans, ça se renforce pendant le mois du Ramadan. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il veut que vous, les musulmans, vous restez dans cette fréquence-là. Donc les autres qui sont à côté, ils vont vous observer. Ils vont voir que la vérité, cette vérité-là, ça ne provient pas d'ici-bas. Ça vient d'Allah subhanahu wa ta'ala. L'ordre vient d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et Allah lui vous maintient dans cette fréquence-là. Et donc continuez à faire comme ça. Continuez à faire le monde,
continue à faire la prière, continue à dire les paroles, les bonnes paroles. C'est pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala dit, ô vous qui avez cru, craignez Allah et prononcez les paroles justes. Ya ayyuha alladhina amanu, ittaqullaha wa qulu qawlan sadida. Donc comme ça, on dit que les diables sont mis en scène. Qu'est-ce que ça veut dire? Allah subhanahu wa ta'ala ne donne pas du si au diable de se manifester pendant les mois du Ramadan, à travers les paroles, à travers des comportements, etc. Et donc c'est comme ça. Et donc il ne faut pas se dire qu'une fois que le mois du Ramadan, on va rompre le mois du Ramadan avec des choses qui vont, n'est-ce pas, gâter tous les biens qu'on a, on s'est sacrifié à faire pendant le mois du Ramadan. Comme les 10 derniers jours que nous passons dans les mosquées. Et donc c'est crucial ça, tous ces moments-là on prend pour invoquer Allah subhanahu wa ta'ala. Il ne faut pas les mettre dans l'eau. Donc il faut commencer à rester dans cette fréquence-là. Il faut rester sobre, il faut rester humble, comme Allah subhanahu wa ta'ala te demande. C'est ce qui est la prescription d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala demande, que Allah subhanahu wa ta'ala nous donne la bonne compréhension. Et pour finir, qu'est-ce que Allah subhanahu wa ta'ala dit pour conclure la phrase? Qu'est-ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala dit? Et donc Allah subhanahu wa ta'ala dit, et c'est crucial ce point-là, Allah subhanahu wa ta'ala dit, et si mes serviteurs t'interrogent sur moi, alors je suis tout proche, je répondrai à l'appel de celui qui me prie, quand il me prie, qu'il croira en moi. Et donc c'est crucial ça. On a tendance à dire que je n'ai pas de travail, je n'ai rien à faire, et même les choses sont coincées, je n'ai pas de suite. Et donc Allah subhanahu wa ta'ala, du coup ici, il te dit qu'il répondra à mon appel. Il faut être avec Allah subhanahu wa ta'ala. Si tu es plus proche d'Allah subhanahu wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala, il te dit qu'il vient plus envers toi. Et donc c'est ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala demande. Et donc si Allah subhanahu wa ta'ala est auprès de vous, il exauce vos prières. Et donc c'est ce qui est recommandé. C'est cette paix intérieure que nous demandons à chaque fois. C'est cette paix intérieure, the peace inside. What is? This is what are we asking about it every time. May Allah subhanahu wa ta'ala help us. Et donc c'est comme ça. Allah subhanahu wa ta'ala veut que nous restons dans cette fréquence-là pour l'invoquer. Et donc une fois que nous nous rappelons d'Allah subhanahu wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala, il se rappellera de nous. Uskuruni askurukum. Allah subhanahu wa ta'ala dit uskuruni. Rappelez-vous de moi. Et donc une fois que vous êtes en prière, vous vous rappelez d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc Allah subhanahu wa ta'ala, il se rappelle à chaque fois, à chaque moment, à chaque instant de vous. Et donc c'est pas seulement dans le mois du Ramadan. Quoi que vous fassiez, où que vous alliez, il faut être avec Allah subhanahu wa ta'ala. Il faut être avec les recommandements d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc, ceux qui se posent des questions, des milliers de questions, le karma, ma raison d'être ici, moi j'ai dit que c'est la raison d'être là. Allah nous donne la bonne compréhension et qu'il nous guide sur le droit chemin, Inch'Allah. Qu'il met la baraka dans nos gènes, Inch'Allah. Qu'il exauce nos prières pour le mat asma'oui. Wa astaghfirullah al-azim alim. ولسائر المسلمين من كل ذنوب وخطيئة استغفروه إنه هو الغفور الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.